Bonsoir, 18h06, donc je vous propose de commencer. Donc monsieur le président de l'Office, mesdames et messieurs les coprésidents de la commission de l'intelligence artificielle, chers collègues députés et sénateurs. Donc avec l'apparition de ChatGPT il y a un an et demi, le grand public a pris conscience de ce que les spécialistes savaient et disaient déjà. L'intelligence artificielle est une rupture technologique majeure, une innovation qui pourrait bouleverser tous les secteurs, comparable en cela à la machine à vapeur, à l'électricité, à l'Internet. Et avec l'IA générative et les grands modèles de langage, cette révolution vient de s'accélérer. Alors, nous aussi, nous avons pris conscience de cette accélération qui est inévitable avec nos travaux, que ce soit à l'Office parlementaire ou à la délégation à la prospective. Et donc le rapport que vous avez rédigé au nom de la commission de l'intelligence artificielle qui avait été installée en septembre dernier par la première ministre et que vous avez co-présidé, donc à savoir Philippe Aguillon qui est économiste de l'innovation, je peux en attester, et Anne Bouvreau, présidente du conseil d'administration de l'école normale supérieure, était très attendue par l'ensemble des acteurs. Et encore ce matin, à la REF numérique, donc l'instance du MEDEF centrée sur les questions du numérique, il en a été largement question et mention. Et notamment, ils ont pris en compte les investissements que vous attendez dans votre rapport pour que la France prenne ce tournant. Donc peut-être que là, il y aura un conflit, entre guillemets, avec la soutenabilité de nos finances publiques. Mais c'est des sujets qu'on peut évoquer ce soir, notamment. Donc vous avez remis ce rapport au président de la République il y a 2 semaines et nous sommes très fiers que ce soir, ce soit désormais devant les parlementaires que vous en fassiez écho et que vous présentiez vos 25 recommandations. Donc cette audition, elle est publique, puisqu'elle est filmée et retransmise sur le site du Sénat. Alors nous sommes sensibles à ce choix et nous estimons que c'est un choix qui a du sens, puisque comme je vous l'ai dit, nous travaillons activement sur cette thématique. Donc pour ce qui nous concerne à la délégation, à la prospective, donc qui n'existe qu'au Sénat, hein, qui n'a pas d'équivalent à l'Assemblée nationale, nous avons décidé, et ça a été un choix collectif et unanime des membres de la délégation, de nous intéresser à l'intelligence artificielle et en nous intéressant à ses usages et notamment sur comment est-ce qu'elle pourrait transformer le service public. Et une de nos premières auditions a d'ailleurs été celle de Gilles Babinet, qui est président du Conseil national du numérique et qui a été membre de votre commission. Alors nous sommes convaincus que l'intelligence artificielle, elle peut rendre le service public plus efficace, mais aussi plus humain. Mais à la lecture de votre rapport, on comprend qu'il ne suffira pas seulement de le dire. Alors il va falloir le faire vite, mais surtout il va falloir le faire, hein, puisque je vous cite... La mobilisation des administrations publiques sur l'IA doit être accélérée, amplifiée, généralisée et déclinée par service public. Alors nous aussi, nous avons choisi cette approche thématique et d'ailleurs le premier rapport de notre série, celui sur l'intelligence artificielle, les impôts, les prestations sociales et la lutte contre la fraude, sera présenté la semaine prochaine, notamment par Sylvie Vermeillet qui est présente et par Didier Rambaud qui va peut-être nous rejoindre. Et puis d'autres rapports vont suivre, un autour de IA et santé, je vois ici Anne Ventalon qui travaille sur ce sujet, un autre sur IA éducation, Bernard Fialer notamment, si j'en oublie, ils se reconnaîtront, un autre sur IA et environnement, un autre sur IA et territoire. Et surtout, ce qui est intéressant, et on le voit, c'est que ça permet aussi d'avoir des démarches transversales entre différentes instances du Sénat, puisqu'en fait, aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à l'intelligence artificielle. Et alors même que nous nous réunissons ici, le groupe d'amitié France-États-Unis fait une audition aussi autour de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, Pascal Grunier est là aussi pour la délégation aux collectivités territoriales avec Ghislaine Senet, puisque toutes les deux vont travailler sur le sujet de ce lien entre IA et collectivité. Alors, nos rapporteurs vous poseront certainement des questions sur ces différents sujets, sur les thématiques sur lesquelles ils travaillent. Mais je veux dire que pour autant, ce qui nous intéresse, et puisque nous sommes là conjointement avec l'OPEC, c'est aussi d'avoir une vision d'ensemble, et plus précisément la vôtre. Parce que je vous cite là encore, nous devons relever le défi de l'intelligence artificielle, faute de quoi nous n'aurons pas la maîtrise de notre avenir. Une mobilisation collective, massive, sans délai et au long cours est impérative.
Alors, comment faire et par où commencer? Voilà deux questions bien générales, mais qui vous permettront certainement de nous parler aussi d'enjeux financiers. Et ça, j'y suis très attachée, comme mes collègues de la Commission des finances. Et puis, un autre sujet aussi que vous évoquez dans notre rapport et qui nous a déjà posé quelques petits soucis et questionnements, parce qu'à la délégation à la prospective, nous n'hésitons pas à bouger les lignes et aller au-delà du cadre réglementaire, c'est notamment toute la question des données et du rôle que la CNIL doit conserver ou ne doit pas conserver. Je vois d'autres collègues qui nous ont rejoints plus récemment, mais qui ont aussi des sujets avec cette instance. Donc voilà un peu les thématiques qui nous préoccupent à la prospective. Et je cède la parole à Stéphane Piennoir, président de l'OPEX. Merci, Madame la Présidente de la délégation à la prospective. Madame et Monsieur les coprésidents de la Commission de l'intelligence artificielle, bienvenue au Sénat, on a eu l'occasion de se rencontrer dans d'autres cercles. Mes chers collègues, députés, sénateurs, bienvenue à cette audition menée en conjointement donc avec la délégation à la prospective et l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques que je préside et dont le premier vice-président est à mes côtés avec ce système, vous savez, qui fait que tous les trois ans, on permute sur la présidence entre un député et un sénateur. Comme l'a dit ma collègue, relever le défi de l'intelligence artificielle, c'est avant tout faire des choix. Et sur ces choix, il se pose la question, faut-il des modèles plutôt ouverts, plutôt fermés? La question de la régulation, est-ce qu'elle doit porter sur la technologie ou bien sur les usages qui sont faits de l'intelligence artificielle? C'est vraiment un débat extrêmement pointu. La France a probablement, c'est une question, a probablement besoin de sa propre infrastructure de calcul, ou est-ce qu'elle doit au contraire s'appuyer sur une offre privée et éventuellement étrangère? Il y a évidemment, on a tous en tête un sujet franco-français actuellement en la matière. Et tous ces choix, en fait, sont des choix avant tout technologiques. Et c'est la raison pour laquelle l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, est particulièrement intéressé, particulièrement impliqué sur ces questions. Et il y a, considère en fait, peu de domaines où les grandes décisions politiques dont dépend notre avenir collectif dépendent à ce point de notre capacité à bien saisir les possibilités et les limites d'une technologie donnée. Il y a une forme de trouble autour de cette intelligence artificielle qu'il nous faut maîtriser. L'IA, comme l'énergie qui nous occupe beaucoup ces derniers temps, et notamment à l'Office, fait partie indubitablement de ces domaines. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau, puisque, vous savez, l'Office avait publié plusieurs travaux sur le sujet, et c'est un ancien président de l'Office, notoriété incomparable, Cédric Villani en l'occurrence, que l'on doit la première formulation de notre stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle dès 2018. Ce qui est nouveau par contre, c'est l'accélération spectaculaire des sujets liés à l'intelligence artificielle, avec l'intelligence artificielle générative, la diffusion massive de la technologie, l'afflux sans précédent des capitaux, et on pourrait parler aussi de la consommation énergétique au croisement des deux domaines que cela engendre. Donc notre stratégie nationale doit être adaptée à cette nouvelle donne et c'est précisément le mandat confié par le gouvernement à votre commission. Pour adapter notre stratégie, il faut donc, je disais, comprendre plus possible notre technologie. C'est la raison pour laquelle l'Office a été saisi par les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat sur ce sujet. Donc nos rapporteurs qui travaillent actuellement d'arrache-pied sur ce rapport sont Huguette Tiegna, que j'excuse, qui est retenu actuellement, qui ne pourra pas probablement nous rejoindre avant la fin de cette audition, Alexandre Sabatou, qui est présent, côté Assemblée nationale, côté Sénat, Corinne Narasiguin, et Patrick Chaise, oui, qui n'est pas là, mais qui est en CMP, qui est très occupé par plein de sujets actuellement, et notamment une CMP. Nos démarches, donc celles de la délégation à la prospective et de l'Office, sont complémentaires et se rejoignent à plus d'un titre. Et il nous arrivera probablement de mutualiser nos travaux. L'un des enjeux majeurs est celui donc de la sensibilisation de nos concitoyens à l'intelligence artificielle à tous les niveaux, avec pour essayer de percer ce mystère autour de cette intelligence artificielle, autour de cette thématique.
si vous me permettez l'expression, cette IA gagne à être connue, ça permet d'éviter des fantasmes en tout genre, on évoque le chômage de masse avec le licenciement, le remplacement des humains d'un côté, et de l'autre côté, une croissance qui serait magique, une sorte de remède miracle à toutes les maladies de l'autre côté. Évidemment, la vérité est vraisemblablement entre les deux. Un peu moins de science-fiction, un peu plus d'action, finalement, c'est ce que vous aurez sans doute quelques idées à formuler sur ce sujet. Et sans plus tarder, sauf si Pierre-Henri souhaite ajouter quelque chose, en tout cas, je vais vous céder la parole. Je devrais m'éclipser en ce qui me concerne avant la fin de cette audition. Je vous prie de m'en excuser, je vais invité à une autre manifestation. Et c'est donc Pierre-Henri qui prendra le relais pour l'Office. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Si ça vous convient, nous proposons, Philippe et moi, de vous faire tout d'abord une courte présentation du rapport et des recommandations clés, et ensuite, bien sûr, de répondre à toutes vos questions. Si ça vous va, je vais commencer en vous disant deux mots de l'organisation des travaux de la Commission. Donc, 15 experts nommés par le gouvernement et par la Première ministre Elisabeth Borne en septembre dernier, comme vous l'avez rappelé, avec 15 rapporteurs qui nous ont aidés. Nous avons auditionné très largement, nous avons auditionné plus de 600 personnes, nous avons fait une consultation nationale sur l'application Agora avec à peu près 7000 personnes. Nous avons tenu des réunions plénières de la commission tous les vendredis après-midi au Collège de France. Et je voudrais rendre hommage aux membres de la commission et aux rapporteurs qui, à quelques exceptions près, ont vraiment toujours été là. Et pour certains, c'était depuis les États-Unis à 5h du matin ou dans des conditions compliquées. Donc un engagement très fort des personnes qui ont travaillé sur ce rapport et un travail collectif vraiment important, qui nous a permis donc de sortir ce rapport que nous voulons à la fois pédagogique et didactique, et puis consommable de différentes manières. Il y a à la fois un résumé au début, des recommandations à la fin et des chapitres qu'on peut aller voir en fonction des sujets d'intérêt, l'éducation, la culture, la puissance de calcul, etc. En termes d'introduction sur le sujet, vous l'avez très bien faite, c'est une révolution technologique et c'est une révolution qui va à une vitesse sans précédent. Un chiffre qu'on cite souvent avec Philippe, c'est qu'il a fallu 5 jours à ChatGPT pour obtenir 1 million d'utilisateurs. Il a fallu 2 mois et demi à Instagram pour obtenir le même nombre d'utilisateurs et 3 ans et demi à Netflix pour atteindre ce chiffre-là. Donc on est sur des choses qu'on a vues auparavant, mais de manière beaucoup, beaucoup plus rapide. D'où ce que vous soulignez dans le rapport, l'importance de réagir rapidement. Et nous saluons dans nos travaux le rapport de Cédric Villani en 2018, qui est d'une qualité excellente. Et nous avons d'ailleurs échangé avec Cédric Villani dans le cadre de nos travaux. Mais nous pensons que maintenant, on est à une autre étape et qu'il faut à la fois aller plus vite et investir plus. Et Philippe expliquera très bien ces aspects investissement, à la fois en termes de pourquoi et puis des montants. Et donc, je lui laisserai la parole là-dessus. Donc, révolution extrêmement rapide et sans précédent. Nous sommes déjà dans une situation où la France et l'Europe ne font pas la course en tête dans le numérique. Les États-Unis, bien sûr, se développent beaucoup plus vite et ont une économie du numérique 2 à 3 fois plus importante que les nôtres. La Chine a des plans d'investissement massifs et des plans à long terme, comme ils savent bien le faire. L'Arabie Saoudite vient d'annoncer un projet d'investissement de 40 milliards dans le domaine de l'intelligence artificielle. On est vraiment dans un domaine où il y a des initiatives significatives, privées et publiques, qui se lancent dans le monde. Après, comme toute technologie, l'intelligence artificielle apporte des risques, notamment sociétaux et environnementaux, et vous y avez fait référence. Et nous pensons important de nous pencher sur ces risques tout de suite pour pouvoir les maîtriser collectivement. Peut-être contrairement à ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux où on a pris conscience des risques peut-être
plus tard et où on les voit vraiment maintenant à côté des bénéfices. On pense que sur l'intelligence artificielle, il faut le faire rapidement et qu'à condition de le faire, nous pouvons les maîtriser collectivement. C'est aussi bien sûr une source d'opportunités et c'est le ton du rapport qui est un optimisme raisonné, pas débridé mais raisonné sur ces opportunités pour la France en termes de potentiel de croissance et de création d'emplois et en termes de bénéfices sociaux et sociétaux dont nous sommes convaincus qu'elle peut les apporter. Donc ce rapport formule un certain nombre de recommandations, mais avant de venir aux recommandations, je voudrais passer la parole à Philippe Aguillon, donc, qui a notamment mené tous les travaux sur l'impact économique et sur le travail avec des études qui n'avaient jamais encore été faites par le passé en France et qui sont très éclairantes. Philippe, je te passe la parole. Merci Anne. Voilà, donc cette révolution de l'intelligence artificielle et son accélération avec l'IA générative suscite évidemment à la fois de la crainte et de l'espoir, comme vous l'avez mentionné, comme tu m'as fait allusion. Crainte que cette révolution détruise massivement des emplois en rendant l'humain redondant dans un nombre sans cesse plus grand de tâches et ne concentre les richesses et le pouvoir dans quelques mains. Espoir que l'IA nous permette enfin de sortir de la croissance atone dans laquelle nous sommes pour le moment coincés depuis quelques temps. Alors la crainte d'une IA qui générerait du chômage et de l'inégalité en masse part du constat que l'IA permet d'automatiser en partie ou totalement des tâches qui auraient été inimaginables jusqu'ici de confier à des algorithmes. Conduite de voitures, génération d'images, synthèse de notes et de sujets, traduction, doublage de films, enfin, beaucoup de professions. Voilà, où il... Et en fait, les emplois, c'est composé de tâches. Et l'IA automatise beaucoup des tâches qui composent beaucoup des emplois existants. Donc ça, c'est la partie crainte. La partie espoir, c'est que l'IA, en fait, permet non seulement en partie d'automatiser la production de biens et services, en tout cas, un certain nombre de tâches dans la production de biens et services, mais comme l'ont fait avant elle les moteurs à combustion, l'électricité et les semi-conducteurs. Mais en outre, l'IA permet d'automatiser des tâches utilisées dans la production d'idées. Et donc, elle améliore la technologie pour inventer, quoi, la technologie de recherche. Et elle aide à trouver des solutions à des problèmes complexes. Elle facilite l'imitation et l'apprentissage. Elle peut s'auto-améliorer. Elle est un outil extraordinaire de recherche, quoi. Donc, à ce titre, on peut se dire, l'IA, c'est une opportunité de croissance extraordinaire. Alors, nous, on défend l'idée dans le rapport que l'IA ne doit susciter néanmoins ni excès de pessimisme. On pense qu'il ne faut pas avoir une vue catastrophiste concernant l'IA et emploi, ni excès d'optimisme. Il faut tempérer notre optimisme en matière d'IA et croissance. D'accord ? On n'anticipe ni chômage de masse, ni accélération automatique de la croissance. Alors, sur IA et emploi, effectivement, nous avons produit dans ce rapport, à l'occasion de ce rapport, une étude nouvelle. Les Américains n'ont rien fait d'équivalent pour le moment. À partir d'un large échantillon d'entreprises françaises, et ça, c'est grâce au soutien de l'INSEE. L'INSEE nous a beaucoup aidés. Eh bien, on a pu, sur cet échantillon, regarder l'effet de l'adoption de l'IA sur l'emploi en comparant des entreprises qui adoptent l'IA à des entreprises similaires qui ne l'adoptent pas. Alors, évidemment, c'est sur 3 ans, 4 ans. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe en 20 ans. Mais, en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que, globalement, les entreprises qui adoptent l'IA créent globalement de l'emploi. Elles sont nettes créatrices d'emplois. Alors, elles vont détruire des emplois et en créer d'autres. Mais sur le net, elles créent des emplois. Et la raison, c'est déjà un truc qu'on avait vu avant avec l'automatisation, c'est qu'il y a un effet de productivité. Les entreprises qui adoptent l'IA deviennent plus productives. Comme elles deviennent plus productives, elles peuvent devenir plus compétitives. Et comme elles deviennent plus compétitives, elles ont un marché plus important pour leurs produits et donc une demande plus importante et donc elles emploient davantage. Cet effet de productivité semble l'emporter sur l'effet de substitution de la machine sur le travail, sur la force de travail. Alors évidemment, l'effet, ce qu'on montre également dans le rapport, c'est que cet effet positif global de l'IA sur l'emploi, sur l'échantillon dont on a regardé, n'est pas uniforme d'un métier à l'autre. En particulier, les entreprises qui adoptent l'IA pour la gestion administrative ou le marketing voient leur emploi diminuer sur les professions intermédiaires, administratives et commerciales. Donc ce n'est pas uniforme. Et il y a des emplois qui vont être menacés parce que la plupart des tâches composant ces emplois vont être automatisées.
utilisés par l'IA. Donc l'effet est globalement positif, mais il n'est pas uniformément positif. Donc il va falloir une politique de marché du travail, de formation, qui soit adaptée à la révolution de l'IA. Donc, ouais, donc ça, c'est important. Il va falloir y penser. Quelle politique sur le marché du travail, etc. Je rêve toujours, moi, de la flexi-sécurité. Moi, c'est mon dada, la flexi-sécurité. Mais enfin, bon. Voilà. Alors, sur IA et croissance, évidemment, si on considère que, d'abord, on pourrait dire, voilà, si on veut évaluer, avoir une idée, on pourrait dire, ben, on pourrait se baser sur les révolutions technologiques précédentes, les prendre comme point de repère. Hein, électricité, la révolution des TIC. Eh bien, si on se basait sur ça, on dirait à partir du moment, il y a toujours dans une vague technologique un moment où il se passe rien pendant un certain temps, et puis après ça décolle un certain nombre d'années après que l'invention a été faite. On arrive maintenant après ce nombre d'années après qu'on ait inventé le machine learning. Et là, on arrive à ce stade où normalement on devrait voir l'accélération de la croissance. Alors, si on se base, si on extrapole par rapport aux révolutions technologiques précédentes, eh bien, ça devrait conduire à une hausse du taux de croissance de l'ordre de 1% par an sur 10 ans. Alors, certains diront, eh bien, cette prédiction est trop pessimiste en ce qu'elle ne prend pas en compte le fait, comme je disais tout à l'heure, que l'IA permet d'automatiser non seulement la production des biens et services, mais également la production des idées. Donc si on se base là-dessus, eh bien ça devrait générer un surcroît de croissance par rapport aux révolutions précédentes et de façon plus permanente, puisque j'améliore la technologie d'invention. J'améliore non seulement, j'améliore la technologie pour faire de la recherche et pour inventer. Donc ça veut dire qu'en fait, mon 1% par an sur 10 ans est quelque part en dessous de la réalité. Le potentiel de croissance doit être plus élevé. Mais d'un autre côté, d'autres diront que c'est trop optimiste, et en particulier parce que ça ignore l'existence d'obstacles à la croissance, notamment l'absence de concurrence dans les segments amont de la chaîne de production de l'IA, que sont l'accès aux données et l'accès à la puissance de calcul. Par exemple, la révolution des TIC, ce qui s'est passé aux États-Unis, ça a dopé la croissance entre 1995 et le début des années 2000, et ensuite, la croissance, il y a eu ce qu'on appelle la stagnation séculaire, Gordon en parle ou d'autres, parce qu'il s'y passait, c'est que les entreprises superstars, les GAFAM notamment, se sont développées, grâce à des fusions-acquisitions sans limite, elles sont devenues tentaculaires, et elles ont fini par inhiber l'entrée d'entreprises innovantes. Et là, en fait, les acteurs sont là déjà, les GAFAM notamment, mais d'autres entreprises superstars sont déjà présents dès le début de cette révolution de l'IA. Et donc, il y a ce danger que si on n'adapte pas notre politique de concurrence à la révolution de l'IA, ce qui peut être un formidable potentiel de croissance va finir par devenir une barrière à la croissance. Donc, on parlera peut-être de politique de concurrence tout à l'heure. Donc, en fait, le total, c'est que nous, on pense qu'il y a un grand potentiel de création d'emplois et de création de croissance avec l'IA, mais il nous faut réformer nos institutions et nos politiques publiques, éducation, concurrence, politique du marché du travail, pour que l'IA puisse être pleinement un facteur de progrès. Voilà. Donc, ce n'est pas un optimisme panglossien, c'est un optimisme raisonné. Il va falloir travailler, réformer nos institutions, améliorer nos institutions et mettre les investissements nécessaires. Alors, l'Europe et la France ont des atouts pour être des acteurs dans cette révolution. En particulier, nous, en France, on a d'excellents mathématiciens, ingénieurs, etc. C'est un atout formidable. D'ailleurs, la plupart, la révolution de l'IA, ben voilà, Yann Lequin qui était dans notre commission. Enfin, on a des grands acteurs de l'IA qui sont des Français, quoi. Mais pour le moment, ils vont travailler ailleurs. Bon. Cependant, malgré les efforts louables, la France investit actuellement 3 fois moins en IA que les États-Unis en proportion du PIB. Or, sans investissement majeur dans l'IA, nous courons le risque à la fois de nous trouver dépourvus d'entreprises spécialisées dans l'IA et surtout de voir nos entreprises existantes dans les différents secteurs d'activité perdre en compétitivité. Jusqu'à présent, on a mis sur la table environ 3 milliards d'investissements publics sur 8 ans. Notre rapport recommande de passer à la vitesse supérieure et d'investir 5 fois 5 milliards. 5 milliards pendant 5 ans. 5 fois 5. D'accord ? Alors, vous allez me dire, mais comment, catastrophe, il faut faire des économies, etc. Nous, on pense que la vision là-dessus, alors donc j'anticipe, et nous, on dit, ben ça représente, ce qu'on propose, ça représente 0,3% des dépenses publiques totales. Et notamment, on pense que c'est d'autant plus réaliste que les dépenses publiques augmentent chaque année et qu'on a prévu d'augmenter nos dépenses publiques de plus de 200 milliards en 5 ans. Donc, pour financer notre plan, il ne s'agit pas de supprimer des dépenses, il s'agit de choisir quelles dépenses publiques augmenteront finalement plus ou moins vite pour qu'on puisse faire cet effort. Et moi, en gros, là, sur la macro, une manière de penser, c'est Draghi. Enfin, moi, je dis Draghi-Macron parce qu'ils ont écrit ensemble. Il y a 2 ans, ils avaient fait ensemble un papier pour le FT. Moi, j'avais bossé dessus et Javadi, etc., qui est la doctrine Draghi, c'est-à-dire de dire on ne met pas sur le même plan toutes les dépenses publiques. Il y a des dépenses de fonctionnement. Il fallait faire la réforme des retraites. Il faut faire d'autres réformes de l'État. Moi, je suis très Jérôme Fourquet. Il y a plein de trucs à faire. Mais, personnellement,
il y a les dépenses récurrentes et il y a l'investissement dans la croissance et dans l'environnement. Et on ne peut pas mettre sur le même plan l'un et l'autre. Parce que nous, on pense qu'on va générer de la croissance et que investir dans l'IA, ben, c'est investir dans de la croissance qui va nous permettre de rembourser notre dette publique plus tard. Donc voilà, tout ce que je peux faire qui augmente notre potentiel de croissance, ça fait que je suis davantage crédible que je peux rembourser ma dette publique à long terme. Donc c'est très... Voilà, ça c'est la doctrine sous-jacente, voilà, mais après, de macroéconomique. Voilà, j'ai trop parlé. Et donc, Anne, je te laisse. Donc maintenant, attends. Merci beaucoup, Philippe. Du coup, je voudrais non pas passer les 25 recommandations du rapport, parce que ça prendrait trop de temps, mais peut-être signaler 7 recommandations qui nous paraissent particulièrement importantes, 7 recommandations clés. La première, et c'est un choix que ce soit la première, c'est de créer les conditions d'une appropriation collective de l'intelligence artificielle en lançant à la fois un plan de sensibilisation et de formation à l'échelle de la nation. On en a parlé, c'est une révolution. Il y a beaucoup de tâches dans beaucoup de métiers qui vont changer. L'impact principal, il y a quelques métiers effectivement qui sont plus à risque et d'autres qui vont être créés, mais l'impact principal, c'est que beaucoup de métiers vont être transformés. Donc dans la formation continue, il y a énormément de choses à faire. Dans la formation initiale, il faut former plus de personnes à l'intelligence artificielle en tant que domaine, à l'intelligence artificielle et quelque chose, IA et juridique, IA et histoire, IA et finance. Il y a besoin de développer ces formations-là. Et il y a besoin d'un plan de sensibilisation de tous les citoyens et des élèves dès l'école maternelle au sujet de est-ce que c'est une vraie image ou une fausse image, pour avoir un esprit critique dans le cadre des sujets de la désinformation. Donc première recommandation, sensibilisation, formation au niveau de la nation. Deuxième recommandation, investir massivement dans les entreprises du numérique et dans la transformation des entreprises à la fois grandes, moyennes et petites pour soutenir l'écosystème français. Dans ce cadre-là, on a une recommandation d'un fonds France et IA pour permettre à la fois cet investissement dans les entreprises de l'IA et dans la transformation des entreprises qui font le tissu français pour garder la compétitivité et ne pas risquer de perdre dans ce domaine-là. Ensuite, faire de la France et de l'Europe un pôle majeur de la puissance de calcul à court et à moyen terme. L'intelligence artificielle sans la puissance de calcul et sans les données, ce n'est pas grand-chose. Et tous ces grands modèles de langage reposent sur énormément de données et énormément de puissance de calcul. Donc le sujet puissance de calcul est très étroitement lié à l'IA et nous paraît très important. Dans le domaine de la donnée, qui est le deuxième domaine, transformer notre approche de la donnée personnelle pour pouvoir continuer à protéger. Nous pensons que le rôle de la CNIL et le RGPD est extrêmement important, mais qu'il faut balancer ça avec une mission d'innovation au service des Français et notamment dans le domaine de la santé, qui est un domaine dans lequel on peut bénéficier particulièrement des innovations de l'intelligence artificielle. Je suis sûr qu'il y aura des questions là-dessus. Dans le domaine de la culture et des industries créatives, qui est un des premiers domaines à être impacté par le développement de l'intelligence artificielle, notamment générative, nous pensons qu'il est très important d'assurer le rayonnement de la culture française pour ne pas être face à des modèles d'intelligence artificielle entraînés principalement sur des données de la culture américaine ou anglo-saxonne. Et nous pensons qu'il y a des moyens de le faire. Un exemple que nous citons souvent, l'ensemble des données de l'INA, de l'audiovisuel français, ça représente 100 fois plus que les données de ce qu'on appelle le common crawl, qui est on balaye tout l'Internet et on regarde tout ce qu'il y a dedans et on entraîne les modèles avec. Donc ça a une vraie valeur quantitative, qualitative aussi bien sûr, et c'est important de pouvoir s'assurer d'entraîner les modèles sur ce type de corpus de données.
Dans le domaine de la recherche en intelligence artificielle, qui est un des atouts de la France, Philippe le mentionnait, c'est aussi un des domaines où les chercheurs se font débaucher très facilement par des grandes entreprises, notamment américaines. C'est vrai dans tous les pays, il y a une capacité des grands groupes à non seulement offrir des conditions de rémunération incomparables, mais également des conditions de travail incomparables, avec des labos, des équipes, de la facilité à faire son travail au jour le jour. Nous proposons une expérimentation dans le domaine de la recherche publique en France pour faciliter les conditions de travail des chercheurs et pour, nous l'espérons, si ça rencontre du succès, nous pensons que ça en rencontrera, éventuellement s'en servir pour d'autres domaines de la recherche publique qui nous paraît un domaine prioritaire. Et enfin, septième recommandation, structurer une initiative diplomatique internationale cohérente pour une gouvernance mondiale de l'IA. La France va accueillir d'ici à peu près un an le prochain sommet mondial international sur l'intelligence artificielle à la suite du sommet de Bletchley Park qui a été accueilli par les Anglais en novembre dernier. C'est une opportunité de travailler sur ces domaines-là et d'avoir une gouvernance internationale plutôt que des approches soit par pays, soit par région. Et enfin, au-delà de ces recommandations, nous sommes convaincus que notre capacité à nous différencier dans ce domaine dépendra des aspects environnementaux, du fait d'avoir une transparence sur les impacts environnementaux de l'intelligence artificielle. Très peu de modèles aujourd'hui offrent cette transparence et de viser à favoriser le développement de solutions et de modèles d'IA qui font attention à cet aspect-là, à l'aspect consommation énergétique, consommation d'eau et à la frugalité et à la spécificité des modèles. Voilà, j'en resterai là. On pourrait, Philippe et moi, en parler beaucoup plus longuement, mais nous sommes certains que vous avez des questions à nous adresser. Chers collègues, s'il y a des questions à la suite de ces deux interventions, on vous remercie. David Ross, pour commencer. Merci pour cette présentation très synthétique du rapport que vous avez remis. Donc, David Ross, sénateur de l'Essonne et ancien maire d'Orsay, une ville où a vécu Cédric Villani. Donc, pour parler un petit peu du sujet. Alors, j'ai eu la semaine dernière l'occasion de poser une question au gouvernement en leur demandant si, dans le cadre des coupes budgétaires, les hauts fonctionnaires de Bercy avaient utilisé l'IA pour mesurer l'impact d'une économie d'un euro par rapport à ce que cet euro peut produire dans la durée. Et je pensais notamment à la recherche et l'enseignement supérieur, et donc c'est pour rejoindre ce que appelle des fois Philippe Aguillon les dépenses virtueuses d'investissement par rapport aux dépenses de fonctionnement. Je n'ai pas eu de réponse. Donc peut-être que les outils n'étaient pas encore totalement opérationnels. Plus sérieusement, moi j'avais deux questions à vous poser. Vous avez évoqué effectivement le retard des investissements de la France par rapport notamment aux États-Unis au regard du PIB. Est-ce que vous pouvez détailler un peu les dépenses entre la partie publique et privée, puisqu'on a le même sujet justement dans les dépenses liées à la recherche de manière plus générale par rapport au PIB. Est-ce que c'est un retard davantage du public ou plus aussi une contribution en manque du domaine privé? Et puis j'ai une autre question aussi qui moi m'interpelle, c'est vous avez évoqué la croissance. Et donc ça pose la question de à qui bénéficie, non pas le crime, mais la croissance. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les données et les calculs. Et donc dans le modèle économique, est-ce qu'il y a déjà des réflexions sur la rétribution de ceux qui participent finalement à cette augmentation de croissance, que ce soit par leurs données, au-delà des questions de déontologie, et puis aussi par les capacités de calcul. Et donc ça pose en toile de fond la souveraineté numérique qu'aurait la France ou l'Europe par rapport à tous ces enjeux-là. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une série de questions. Il y a quatre collègues qui ont... Donc ça va demander un effort, soit de mémorisation, soit de noter les questions au fur et à mesure, parce que je ne doute pas qu'il va y avoir d'autres questions. Sonia Laprovoté. Oui, alors moi j'ai deux questions. Une qui concerne la santé. Il y a eu un rapport récent de l'Académie de médecine sur intelligence artificielle et santé et est soulevé à plusieurs reprises la question de la supervision humaine de l'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Et dans votre rapport, en fait, toute cette dimension de protection, certes, c'est un frein,
mais quelque part, ça sera d'autant moins un frein qu'on prévoit à l'avance tous ces sujets-là et qu'on ne les traite pas que du point de vue éthique, même si c'est important, mais aussi du point de vue juridique. Et donc, notamment dans le domaine de la santé, on sait que ça peut avoir des conséquences, pas que physiques pour les patients, mais aussi en matière de responsabilité médicale dans les actes pratiqués. Et là, pour le coup, ça entraîne beaucoup de précautions et de protections vis-à-vis de l'usage, outre le défaut de formation des professionnels de santé sur ce sujet évident. Et dans le domaine de la culture, c'est vraiment la question des artistes auteurs et de la protection de la culture. Vous avez évoqué la question de la langue d'expression des données, de la, comment dire, du modus operandi de la pensée, de la philosophie, de la structure de pensée plus latine qu'anglo-saxonne. Et clairement, il doit bien y avoir une façon de traiter cette question pour maintenir notre terreau culturel et notre histoire culturelle, et aussi une façon différente de penser les choses. En ce qui concerne les artistes auteurs, il y a un vrai sujet de protection, et en l'état actuel des choses, il n'est pas traité. Et l'intelligence artificielle avançant très vite, à grands pas dans ce domaine, il est certain qu'il y a des gains économiques énormes qui sont à prévoir, et en revanche une perte énorme et probablement économique également, mais bien plus grave que ça, culturelle et démocratique pour les citoyens. Et donc votre regard sur ce sujet et ce qu'il faudrait convenir de mettre en place dès maintenant. En fait, il y a une forme d'urgence à traiter ces questions. Et puis peut-être dernier temps, avant de passer à d'autres questions, Alexandre Sabatot, pour donner la parole quand même aux députés un petit peu. Merci Monsieur le Président. Oui, j'ai deux questions pour vous, s'il vous plaît. Une première qui rejoint un peu les questions financières. Vous saluez notamment l'augmentation des investissements en capital risque en France. Néanmoins, on peut constater qu'il reste quand même très faible par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Comment pouvons-nous y remédier? Et comment faire en sorte pour encourager les investissements importants à long terme dans les entreprises françaises, car seul l'argent public ne pourra pas répondre à ces questions. Votre rapport prévoit également un investissement financier de 27 milliards d'euros sur 5 ans, mais dans le même temps, on constate que OpenAI est actuellement valorisé à plus de 100 milliards d'euros. Donc est-ce que vous pensez que les investissements que vous proposez vous paraissent à la hauteur pour lutter contre la domination des GAFAM? Une dernière question, on n'a pas encore abordé le sujet de souveraineté. J'ai lu une partie du rapport, ça parle essentiellement de souveraineté européenne, donc on peut comprendre que sur ces sujets, on ait besoin que la France puisse paraître petite pour rivaliser avec les GAFAM ou les États-Unis ou la Chine. Mais est-ce que vous avez cherché à identifier des limites dans cette coopération entre les États? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui devraient rester franco-françaises, notamment sur les données? Je vous laisse répondre à cette première série de questions et on passera aux autres collègues ensuite. Super. Merci beaucoup. Alors, ça fait beaucoup de questions très intéressantes. Je vais commencer à répondre à quelques-unes. Sur les investissements qui sont effectivement plus faibles en France et en Europe que dans d'autres régions ou pays, et notamment les États-Unis, dans la partie publique, oui. En termes de nos recommandations, les stratégies IA recommandées par le rapport Villani et mises en œuvre depuis via France 2030 ont consisté à investir sur 8 ans 3 milliards d'euros. Nous recommandons 5 milliards sur 5 ans. On peut se poser la question de si c'est suffisant. C'est une vraie question. On pense que c'est déjà significatif et on aimerait bien que ce soit mis en œuvre. Il y a une partie publique et une partie privée dans ce qu'on recommande, et on ne pense pas du tout que ça doive être uniquement du financement public. Le fonds France CIA, par exemple, pour nous, c'est un fonds public-privé, et d'ailleurs majoritairement privé, avec une gouvernance qui prenne cela en compte. Et ça nous paraît important. Aux États-Unis, le sujet de la recherche publique est acheté par les entreprises privées est un vrai sujet. La chercheuse Fefeli a récemment fait des articles sur le sujet et a interpellé le président Biden lors de son State of the Union Address sur le sujet. Donc, il y a des retards à la fois sur la partie publique et sur la partie privée. Je vais peut-être répondre à quelques questions et puis Philippe me complétera.
Sur la partie santé et sur les données, nous pensons effectivement que la protection est extrêmement importante et qu'il faut garder ce côté protection. Nous proposons de donner un rôle d'innovation à la CNIL en plus de son rôle de protection qu'il faut garder. Nous proposons d'augmenter ses ressources pour pouvoir faire face à cette mission supplémentaire et à ses missions existantes, parce qu'aujourd'hui, la CNIL, nous les avons auditionnées, est amenée à répondre à de plus en plus de questions et à un rôle qui est extrêmement important, et essaye, et nous sommes d'accord avec ça, de donner de la visibilité en amont aux entreprises et aux organisations pour qu'elles puissent innover et déployer leurs services sans se dire eh ben, peut-être qu'après j'aurai un problème. Donc ça, nous pensons que c'est tout à fait la bonne direction. Ce que nous proposons, c'est spécifiquement dans le domaine de la santé où il y a une autorisation préalable qui est obligatoire pour utiliser ces données pour de la recherche et le développement de nouvelles solutions au bénéfice des patients, de supprimer cette autorisation préalable, de responsabiliser les acteurs et d'avoir bien sûr une validation ex post comme dans d'autres domaines. Il nous semble que ça nous permettrait de développer des solutions innovantes au service des citoyens français, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes solutions sont développées par d'autres acteurs et que le risque, c'est que nous soyons amenés à choisir, pour des raisons de santé, des innovations d'acteurs qui ne soient pas français. Mais je suis sûre que Philippe, qui connaît bien ce sujet, pourra y répondre aussi. Sur le domaine de la culture, j'ai parlé effectivement du développement et du rayonnement de la culture et des valeurs françaises et européennes. Il y a également le droit d'auteur que nous reconnaissons et que nous souhaitons bien sûr qu'il soit respecté. Il y a dans la réglementation européenne et dans la manière de la mettre en œuvre des capacités d'opt-in et d'opt-out qui sont à la disposition des auteurs et des artistes. Nous recommandons une transparence qui leur permette de faire appel à ces capacités de manière plus éclairée. Mais nous sommes aussi conscients du fait qu'il y a un risque juste d'évitement des auteurs qui souhaitent faire de l'opt-out. Et nous souhaitons, nous recommandons, et nous espérons que ce secteur s'en saisira, le développement d'une plateforme qui permette de mettre en contact et en communication les ayants droit et des sociétés d'intelligence artificielle pour pouvoir discuter de l'utilisation et de la rémunération de leur création. Parce que autant, on va dire, un cinéaste ou une actrice spécifique a moins de capacité de négociation, sauf à être, je ne sais pas, Audrey Fleurot pour HPI ou vraiment un artiste ou un cinéaste très connu, une personne individuellement a plus de mal à négocier. Quand je donne l'exemple du catalogue de l'INA, c'est aussi pour montrer que, de manière collective, on a plus de capacité à négocier. Donc ça, c'est ce qu'on recommande dans le rapport. Sur les aspects capital-risque et investissement, Philippe répondra mieux que moi. Sur les aspects souveraineté, nous réfléchissons effectivement beaucoup dans le rapport au niveau de l'Europe. On est sur des montants financiers qui sont énormes. Et la France est le pays, j'ai échangé ce matin avec le patron d'Accenture en France, est le pays qui insiste le plus sur une souveraineté à l'échelle de la France. Le deuxième pays est peut-être l'Allemagne, mais ils sont déjà plus pragmatiques. Et je pense qu'il faut balancer le côté souveraineté avec la capacité à faire. Et qu'il est important de regarder, par exemple, pour les données, quelles sont celles pour lesquels on a vraiment des raisons importantes de vouloir les avoir sur le territoire français, sur des serveurs français, et celles pour lesquelles c'est juste pas viable économiquement de vouloir faire ça, et sur lesquelles il est plus intelligent de réfléchir à le faire à l'échelle européenne ou de travailler avec des acteurs internationaux qui apportent aussi tout un tas de bénéfices. Donc c'est probablement une réponse partielle, mais c'est un début de réponse à votre question. Non, je crois qu'il y a déjà... Je vais juste compléter un petit peu. C'est
sur le côté public-privé, pourquoi il faut une implication publique? Bon, j'ai parlé des externalités de croissance. Donc déjà, la croissance, c'est je fais quelque chose et puis ça génère de la croissance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une externalité en économie. Mais c'est surtout, si on ne fait rien, nous faisons face à deux dangers. Être dépourvu d'entreprises spécialisées dans l'IA et voir les entreprises existantes perdre en compétitivité. Et aucune entreprise, aucun secteur n'est à l'abri des transformations liées à l'IA. Et par le passé, les pays qui se sont tenus à l'écart d'une révolution technologique ont été déclassés au plan économique et dominés au plan géopolitique. Donc si on n'investit pas suffisamment dans l'IA, eh bien on va être perdant alors qu'on a des talents et qu'on a vraiment des atouts formidables. Donc il y a vraiment une bonne raison pour un investissement public. Mais l'idée, c'est un partenariat public-privé. Dès qu'on a construit les chemins de fer en France, c'était un partenariat public-privé. L'idée n'est pas de dire c'est tout public. Et d'ailleurs, le fonds à 10 milliards d'euros, comme le disait très bien Anne, l'idée c'est que l'État, on met 3 milliards d'euros, parce que c'est un fonds pour à la fois financer l'émergence de l'écosystème d'IA et la transformation numérique de l'ensemble du tissu économique français. Et des services publics également. On parlait tout à l'heure de la question de David. C'est tout ça qu'il faut transformer. Donc ça peut pas être entièrement le secteur privé. Donc il y aura 3 milliards d'euros de capitaux publics et on voudrait pouvoir mobiliser 7 milliards d'euros de capitaux privés. Surtout par les grandes entreprises, parce que chez nous, on n'a pas. Il y a ce qu'on appelle aux États-Unis les investisseurs institutionnels, enfin les institutional investors, les investisseurs institutionnels, fonds de pension, etc. Nous, on est moins bon sur fonds institutionnels. Donc on doit pallier à cette insuffisance. Et l'idée de ce fonds, qui serait de ces 7 milliards qui seraient abondés par les grandes entreprises, c'est d'essayer, évidemment, en partie, de pallier au fait que nous ne disposons pas. Non seulement on n'a pas de capital risque, on a un capital risque, mais beaucoup moins développé qu'aux États-Unis, mais on est également beaucoup moins développé qu'eux en matière d'investisseurs institutionnels. Et c'est pour ça que. Mais on a quand même, vous voyez, une balance. C'est-à-dire on met 3 milliards publics pour mobiliser. Mais c'est ça, c'est la politique industrielle moderne. C'est-à-dire que nous, on a souvent une vision chez nous de la politique industrielle, très colbertiste, on sélectionne les gagnants. La politique industrielle, c'est de dire j'investis dans certains secteurs, mais je le fais d'une manière qui préserve la concurrence, qui préserve l'ouverture. On est très open source, très ouverture, mais on pousse, on incite, quoi. Comme la DARPA a pu le faire pendant la défense et l'espace aux États-Unis, ou la BARDA dans les vaccins. On est tous là grâce à la BARDA, n'oublions jamais. Donc c'est cette optique-là que nous avons. C'est-à-dire, nous, on impulse, parce que si on n'impulse pas, il ne va rien se passer. Mais en même temps, on veut mobiliser le secteur privé. Avec les limitations que nous avons sur le fait que nous ne disposons pas entièrement des mêmes instruments qui existent notamment aux États-Unis pour financer l'innovation et notamment l'innovation dans l'IA. Alors sur les données, Anne aussi a très très bien expliqué, c'est-à-dire qu'en fait il y a la logique du règlement général de la protection des données est une logique surtout ex post, c'est-à-dire qu'on fait confiance aux agents et ex post on vérifie. La logique informatique liberté est plutôt une logique ex ante, c'est-à-dire qu'il faut autorisation préalable. L'idée, c'est quand même d'aller plus vers la RGPD, notamment pour les chercheurs, parce que ce qui se passe dans les données de santé, moi je connais des chercheurs, ils ont attendu 18 mois, parce que la CNIL est débordée, donc ils ne peuvent pas. Et la CNIL, c'est très important de l'avoir. Nous, on veut la renforcer. Mais ils attendent 18 mois. Si tu attends 18 mois, tu as perdu la partie, quoi. Donc, tu comprends? Donc, tu dois, et on veut quand même de l'innovation en santé, parce que si on veut pouvoir guérir les cancers mieux, soigner Madame Kate Middleton mieux, etc., je veux dire, demain, ou les gens chez nous qui ont les. Je veux dire, c'est important l'innovation en santé. On a envie quand même d'innover en santé. Et nous sommes très bons, nous avons en France de formidables données de santé et de formidables chercheurs et un corps médical extraordinaire. Donc, on a en France, on peut être les meilleurs dans ce domaine. Mais, donc voilà, donc l'idée, c'est de dire, on veut protéger. Mais on veut aller dans une logique qui ne bloque pas la recherche, notamment dans les domaines de santé. C'est pour ça qu'on veut basculer plus vers une logique RGPD, également dans ce domaine, puisqu'avant, il y avait l'autorisation préalable, même pour qu'un chercheur utilise des données de santé. On pense que ça, on peut quand même réformer dans ce domaine. Voilà. Ça, je voulais juste mettre sur ces points-là. Mais peut-être on attendait quelques autres questions. On poursuit avec Arnaud Bazin. Merci. Calcul massif, stockage massif. C'était l'objet, je crois, de votre troisième recommandation. Vous n'avez pas dit. Excusez-nous. Calcul massif, stockage massif. Ah oui. Voilà. Vous n'avez pas dit que tout le reste n'était que littérature, parce que ça n'est pas le cas d'ailleurs. Mais en tout cas, tout le reste est largement conditionné en matière de souveraineté, de sécurité, etc., à ces aspects-là. Donc je voulais que vous essayiez peut-être très rapidement, succinctement bien sûr, de tracer un petit peu le contexte de tout ça. Quelle part des investissements que vous avez évoqués pourrait être réservée? Quel modèle, là aussi public-privé,
comment on fait rapidement pour en effet avoir ces capacités-là, parce que ça fait longtemps que cette problématique-là est dans le paysage, et elle est révélée aussi par l'intelligence artificielle, mais c'était déjà un sujet auparavant. Donc ça, c'était ma première question. Et puis j'en ai une deuxième, peut-être plus mineure. Vous avez un peu esquissé le sujet de la dépendance de cette technologie à d'autres technologies. Par exemple, un véhicule pourrait être conduit par l'intelligence artificielle, pour autant qu'il y ait des satellites qui soient là pour le guider. On peut interroger aussi, à partir de notre PC, un service administratif, pour peu qu'il y ait suffisamment de débit et que le réseau de fibres soit complet en état. Donc, est-ce que vous avez exploré, ça sont des exemples bien sûr, c'est pas limitatif, est-ce que vous avez exploré les fragilités, les zones de risque de cette technologie liées aux technologies qu'elle requiert par ailleurs? On va enchaîner, oui. Mais on prend d'autres questions. Martine Berthet. Merci beaucoup. Sur la question de la souveraineté, donc il y a le sujet des langues. Nous savons que l'anglais va prendre le dessus. Comment est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la protection de nos langues comme la langue française, pour laquelle déjà nous nous battons actuellement? Comment voyez-vous l'avenir par rapport à cela? Est-ce qu'effectivement il y a un risque réel? Et comment pouvons-nous faire pour protéger nos langues? Merci. Bernard Fialaire. Oui, merci. Vous nous avez parlé de nos domaines d'excellence, les mathématiques, par exemple, la santé aussi. Il y a un domaine dans lequel on n'est pas forcément excellent, c'est l'éducation. Donc, vous parlez de tout l'enjeu de la diffusion et de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ça passe déjà dans les choses très pratiques? C'est les mathématiques. On a vu qu'on allait renforcer un petit peu l'enseignement. Ça passe. Est-ce qu'il y a au contraire des enseignements spécifiques qu'il faut commencer à introduire? Est-ce qu'ils ont été repérés et comment on peut les faire diffuser et à quel rythme? On vous laisse répondre à cette série de questions. Bien. Donc on va essayer de répondre à tout ça. Sur le calcul, oui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je discutais récemment avec Mira Murati, qui est la responsable technique d'OpenAI, qui disait en fait, quand ils ont lancé ChatGPT, d'abord ils n'imaginaient pas qu'il puisse y avoir un tel succès. Et donc le lendemain, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé chez Microsoft en disant: j'ai besoin d'avoir un autre supercomputer parce que on a tellement de gens qui se sont connectés qu'on a besoin de plus de puissance de calcul. Et clairement, la logique, notamment des modèles de langage, c'est ça, c'est d'avoir des puissances de calcul énormes. Et de ce point de vue-là, c'est important qu'on puisse donner aux chercheurs en France et en Europe et aux entreprises la capacité de travailler sur des puissances de calcul importantes, tout en essayant de développer des approches qui peuvent être un peu alternatives. C'est aussi pour ça qu'on pousse pour le développement de l'open source, qui permet de mutualiser du travail et de regarder comment faire des développements moins gourmands en capacité de calcul. Et par exemple, les derniers modèles de Mistral sont beaucoup plus efficaces en termes de capacité de calcul par rapport à des modèles équivalents en termes de performance. C'est pour ça... également qu'il nous paraît important de réfléchir à mutualiser l'approche et l'utilisation de la puissance de calcul, peut-être par des approches de gouvernance internationale, en proposant soit de la mise en commun de puissance de calcul, soit de faire appel à de la puissance de calcul des grands acteurs du cloud, en leur demandant, on peut appeler ça une taxe, on peut appeler ça une contribution sociétale, de faire appel à cela. L'innovation également dans le domaine va permettre d'avancer des nouveaux modèle de NVIDIA, qui est le grand leader de la puissance de calcul, sont des modèles qui vont permettre de paralyser beaucoup le travail et donc de faire appel à plus de puissance de calcul, probablement avec moins de consommation énergétique. Et c'est très intéressant de voir ce genre de développement. Donc il y a du développement dans le domaine de la recherche et des produits, il y a de la mutualisation, il y a le fait de faire les choses de manière ouverte.
mais il y a aussi le fait d'avoir l'accès à de la puissance de calcul en France et en Europe. Peut-être sur la francophonie et sur la langue française. Donc j'ai parlé effectivement d'accès, d'avoir la culture et les valeurs. Je voulais aussi dire la langue, bien sûr, et c'est la langue française et la francophonie. Dans le cadre de la préparation pour le sommet de l'IA, on réfléchit à un sommet, à une route vers le sommet, et les rencontres de la francophonie qui sont prévues à l'automne sont un moment important dans lequel on va travailler à ce sujet-là. Il est important que des modèles de langage soient entraînés sur la langue française, et de la même manière en Asie, il y a une approche pour des développements sur les langues asiatiques, et c'est tout à fait normal, et il faut absolument pousser cela. Sur l'éducation, je suis sûre que Philippe aura des choses à dire. Au-delà de la formation en mathématiques, en informatique, en physique, dans les sciences, il y a le fait d'attirer les femmes et les filles dans ces types d'enseignement. On a vu qu'elles ont tendance à se désélectionner des filières scientifiques. On voit aussi dans les différentes études sur le sujet que la motivation des jeunes filles est très souvent tirée par la recherche de sens dans le métier qu'elles cherchent à exercer. Et donc expliquer que les mathématiques et l'informatique et l'intelligence artificielle permettent le développement de l'innovation en santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'environnement, et est un vecteur qui nous paraît tout à fait prometteur pour essayer d'attirer plus de femmes et plus de filles dans ces domaines-là. Et c'est une des choses que je voulais souligner. Il y aura d'autres questions et je veux laisser à Philippe l'opportunité de répondre. Je vois juste Anne. Tout très bien. Sur puissance de calcul, tout le monde sait que c'est une partie incontournable de l'IA générative. Et à ce jour, évidemment, tu as besoin de produire des semi-conducteurs. La filière de composants semi-conducteurs à destination du système d'IA est extrêmement concentrée, à Taïwan notamment. Mais ce n'est pas une fatalité. L'Europe et la France en particulier doivent se positionner sur les prochaines générations de semi-conducteurs. Et au regard de l'ampleur des investissements nécessaires, l'intervention de la puissance publique est indispensable. C'est un enjeu de souveraineté et de compétitivité. Tout ça, c'est la puissance l'importance d'investir dans la puissance de calcul pour notre souveraineté. Sur la formation... je voulais simplement dire quelque chose sur ce qu'on prévoit en termes de formation. Il y a plusieurs niveaux qu'on prévoit. Il y a un premier niveau qui est sensibiliser dès la petite école, bons usages, mauvais usages de l'IA. Déjà que les gens soient familiarisés. Alors donc on pense que dès la petite école, ça devrait se faire. Et auprès du public, on propose des cafés IA, des grands débats IA dès le début pour sensibiliser la population. Ça, c'est plus de sensibilisation. Puis après, il y a un autre niveau de formation plus spécialisée, des questions qui étaient posées. On pense qu'il faut qu'il y ait de l'IA dans tout. C'est-à-dire, droit, il doit y avoir un aspect IA et droit. Chaque formation dans l'enseignement supérieur, on devrait avoir un aspect comment l'IA s'articule avec cette spécialisation dans l'enseignement supérieur. Et puis, évidemment, la formation de spécialistes IA qui vont développer l'IA et qui vont le déployer dans les entreprises. Donc ça, on a ces trois niveaux qui sont importants. Je voulais juste aussi dire un mot, ça n'a peut-être pas été sur la concurrence. Et moi, il y a souvent la vision, il y a des gens souvent qui opposent politique industrielle et politique de concurrence. Et moi, je crois beaucoup au fait, et c'est ce qui se revient dans ce rapport, c'est qu'il faut articuler politique industrielle et politique de la concurrence. Je pense que ça va devenir de plus en plus vrai en Europe. On va articuler politique, on va de moins en moins opposer politique industrielle et politique de la concurrence. Et ce rapport est un rapport qui propose à la fois qui est politique industrielle et politique de la concurrence. En matière de concurrence, en particulier, on sait qu'il y a des segments. Par exemple, le cloud est dominé par trois grands acteurs, Amazon, Google Cloud et Microsoft. Et différents segments amont sont dominés par quelques acteurs, ce qui plombe la croissance, je le disais tout à l'heure. Donc, il va falloir agir sur la concurrence. Alors, il y a le côté, le DMA, vous savez, le Digital Market Act. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Ça empêche qu'une grande plateforme contrôleur d'accès, ce qu'on appelle gatekeeper, vis-à-vis d'un grand nombre d'utilisateurs, n'abuse de cette position en empêchant des entrants potentiels d'accéder à ces utilisateurs. Le DMA doit être complété pour tenir compte de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA. Donc le DMA, c'est très bien, mais il faut l'étendre. Donc ça, nous, on est tout à fait
on soutient cette démarche. Et dans le même sens, il y a tout ce qui concerne open source. On est très pro-open source dans ce rapport. Voilà. On considère que l'ouverture de l'IA, l'open source, a de nombreux bénéfices. Le premier, c'est que c'est cette transparence qui va avec, de pair avec l'ouverture, facilite l'évaluation par des tiers et permet de mobiliser la communauté pour améliorer et sécuriser les modèles. Ça, c'est un des premiers gains de l'open source. Un deuxième gain de l'open source, de l'ouverture, c'est que ça facilite la personnalisation des modèles et donc leur adaptation à différents contextes, notamment linguistiques, que vous mentionniez tout à l'heure. Et un autre avantage de open source, c'est que ça permet de réduire l'empreinte environnementale quand elle évite que chacun ne réentraîne son propre modèle de fondation. Et enfin, l'ouverture open source abaisse les barrières à l'entrée et permet l'entrée de nouvelles entreprises. Donc on est, et nous, et ça facilite, ça favorise la concurrence. Donc on est très, on a un aspect politique industriel, mais on est très pro-concurrence en même temps. Et je crois que ça, c'est vraiment l'approche moderne de la politique industrielle, c'est-à-dire d'être pro-concurrence et pro-politique industrielle, et on peut tout à fait réconcilier l'un et l'autre. Voilà, je crois que vraiment, c'est une chose très importante que nous portons dans ce rapport. C'est vraiment, on est des deux côtés, quoi. On est pro-concurrence et pro-politique. On n'oppose pas l'un à l'autre. On n'empêche pas. Souvent, la politique de concurrence empêche tout aide sectorielle d'État au nom de la politique de la concurrence. Ou bien ceux qui croient complètement à la politique industrielle, certains disent non, il ne faut pas la concurrence et il faut aider les entreprises en place au détriment de la concurrence. Donc nous, on a vraiment une vision où on pousse les deux en même temps. Voilà. Alors, j'ai noté que souhaite encore poser des questions. Sylvie Vermeillet, Pascal Gruny, Anne Ventalon, Ghislaine Séné, est-ce qu'il y a d'autres demandes? Et donc, il y a un pour une. Voilà, bon, bah, je vous propose qu'on prenne du coup les 5 dernières interventions. Donc, Sylvie Vermeillet. Merci, madame et monsieur les rapporteurs, pour vous exposer. Vous avez commencé, et moi, je ne doute pas une seconde des bienfaits de l'IA. Je pose le cadre tout de suite dans tous les domaines quasiment. Mais vous avez commencé par parler du risque. Et moi, je voudrais que vous développiez un petit peu ces aspects. Je prends quelques exemples. Le risque du deepfake, c'est-à-dire l'usurpation de l'identité de la donnée. Et est-ce que ça va nécessiter une évolution juridique, hein? Quelles sanctions par rapport à ça? Quelle maîtrise? L'évolution par rapport à la fraude. Il n'y a pas de raison que les moyens dévolus à la fraude, c'est-à-dire ceux qui la mettent en œuvre, ne soient pas plus puissants que les moyens dévolus à nos administrations. Comment est-ce que vous voyez ce rapport de force à l'avenir? J'ai foi dans l'évolution que nos administrations sont en train de développer. Mais je me dis qu'il n'y a pas de raison que les trafiquants et délinquants n'y mettent pas encore plus de moyens que nous. Le cadre légal aussi, vous parlez, vous dites que vous êtes très open source par rapport l'IA Act est quand même un cadre qui est quand même à regarder de près par rapport à ce besoin d'open source. Et puis le fait aussi que l'Europe, alors le développement de la recherche, souvent le militaire va de pair avec le civil et ça mène une puissance de frappe importante. Et il se trouve que l'Europe n'a pas de compétences en matière militaire. Est-ce que ça ne va pas être un frein? Le principal, notre principal frein ne va pas être celui-ci, c'est-à-dire que ce problème n'existe pas ni en Chine ni aux États-Unis, mais il existe en Europe. Nous n'avons pas ce couplage et cette puissance de frappe militaire, cette compétence militaire européenne. Et puis, pour finir, une question qui va paraître naïve, mais qui est très sérieuse. C'est est-ce que le développement de l'intelligence de la machine ne va pas se faire au détriment de l'intelligence de l'homme? Merci. Pascal Gruny. Merci, madame la présidente. Alors, bon, comme moi je suis rapporteure sur l'IA et les collectivités territoriales, moi j'ai un sujet sur les moyens financiers de nos collectivités territoriales, surtout que ces jours-ci, on nous annonce encore, on va dire, de serrer la ceinture de nos collectivités. Forcément, là, il y a des moyens à engager qu'on n'a pas. Ne pas oublier aussi notre ruralité, parfois souvent oubliée. Et qui n'a pas non plus souvent les moyens, la fibre qui arrive jusque dans les communes rurales.
comment on va faire, et là où on ne peut pas aussi doublonner les postes, parce que vous avez parlé emploi, bien entendu il va y avoir des emplois qui vont devenir, on va dire, inutiles, mais on ne va pas séparer des personnes. Donc, de ce fait-là, forcément, des moyens financiers qui vont être engagés. Et puis, comme on a parlé, ma collègue Sylvie Vermeillet, la cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le département, les communes, on a des attaques, je dirais, pratiquement quotidiennes qui viennent de l'extérieur. Donc comment on peut se protéger, sachant qu'on a l'état civil qui est en gestion dans les communes rurales. Et donc c'est une donnée qui est assez essentielle. Donc voilà sur ce sujet-là. Au niveau ensuite des emplois. On sait très bien que l'automatisation, la robotisation, ça a transformé en fait les emplois. Ça en a supprimé. Et souvent sur des personnes qui ne sont pas qualifiées ou peu qualifiées et qui ont parfois aussi pas les moyens de se former parce que ben voilà ils ne peuvent pas le faire. Donc on va encore mettre des personnes de côté que nous on a tous dans nos départements et qu'on retrouve souvent bénéficiaires du RSA et qu'on ne sait pas en fait les mettre devant des emplois. Donc d'où une question aussi sur l'éducation nationale, est-ce qu'elle est prête? Parce que moi, j'ai fait un voyage au Danemark, il y a déjà maintenant plusieurs années, peut-être 4 ans, 5 ans. Les enfants de la maternelle sont déjà dans un commencement d'apprentissage du codage. Chez nous, c'en est où, ça, l'apprentissage du codage? Parce qu'on en a déjà parlé plus d'une fois. Et si les enfants doivent être formés au codage, les enseignants? Moi, j'ai dans ma famille... Les enseignants, ils ne savent pas de quoi on parle. Donc ça, c'est vraiment complexe. Et puis, à côté de ça aussi, dans l'entreprise aussi, la formation professionnelle continue. Est-ce qu'on trouve aussi les centres de formation? Est-ce qu'ils sont au bon niveau pour pouvoir accompagner les personnes qui vont pouvoir justement prétendre soit aux emplois liés à l'IA, soit à d'autres emplois à côté? Voilà mes questions. Merci. Oui, merci. Moi, je souhaiterais, s'il vous plaît, revenir sur le sujet de la santé. Effectivement, la santé est un bon terrain pour l'intelligence artificielle. Vous avez parlé de l'innovation en santé aussi. Et la production massive de données en santé est une aide précieuse pour la pratique médicale. Donc, les perspectives sont pleines de promesses. Je suis rapporteure du volet santé, l'intelligence artificielle et notre système de santé. Donc c'est vrai qu'on a vu au travers des différentes auditions que de nombreux domaines d'application, mais qu'on est encore à un stade expérimental. Alors même si les perspectives sont pleines de promesses, on a parlé des craintes, on a parlé des potentiels, mais je retiendrai le potentiel de transformation du service public de la santé qui est souligné et que vous avez encouragé. Donc je souhaiterais quelques mots, votre analyse au travers de vos travaux et dans votre rapport. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle est une opportunité pour lutter contre les déserts médicaux? Et ainsi, pour lutter contre les difficultés d'accès aux soins. Voilà. Donc moi, je viens d'un département rural, je viens de l'Ardèche. Nous sommes loin d'un centre universitaire. Donc il y a des craintes au niveau de la pratique. Mais en même temps, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas cette révolution qui s'accélère, comme vous l'avez souligné tous les deux. Merci. Mais écoutez, je vous souhaite beaucoup de chance pour répondre à toutes ces questions. Non, mais moi, en fait, finalement, j'en ai une, mais qui n'est pas des moindres, c'est l'impact environnemental. En fait, j'ai pris connaissance de votre rapport. Il y a juste, finalement, deux pages qui répondent à l'IA met-elle en danger la planète? Alors déjà, non, ce ne sera pas la planète qui est en danger, c'est plutôt nous, l'humain, qui sera comme en danger. Mais la planète, elle continuera, quel qu'il soit, même si, au passage, on va bien l'abîmer. Mais en tout cas, d'une manière globale, moi, je crois
crois qu'évidemment, il y a un gros potentiel de l'IA, il y a un gros potentiel notamment sur la question de la transition écologique. Mais c'est de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire qu'il va falloir investir. Moi, je voudrais savoir si, malgré tout, il y a des études un peu sérieuses sur le développement de cette technologie eu égard au plan national d'adaptation au réchauffement climatique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une modélisation et si on est en capacité aujourd'hui de dire si on va pouvoir répondre à ces objectifs. On sait qu'il y a une énorme consommation énergétique qui, bien évidemment, va être occasionnée et d'ores et déjà, on sait qu'on a atteint les 6 limites planétaires sur 9. On sait qu'il y aura énormément de consommation d'eau, de silice, de terres rares. Réellement, très concrètement, est-ce que du coup la projection que vous nous faites est tout à fait compatible en fait avec les limites auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui? Je pense que c'est une question qui me semble indispensable de se poser. D'autant plus que vous dites que bien évidemment, on ne pourra jamais donner l'accès à l'IA aux 5 milliards d'utilisateurs de Google, ce qui engendre ensuite l'accès à l'IA et du coup un accès social, enfin un traitement social de ces données. Merci Madame la Présidente. Oui, une question. Vous savez que la souveraineté, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et justement, on parle rarement de hardware alors que c'est extrêmement important sur l'IA. J'ai vu des chiffres qui expliquaient que 6% de la production des semi-conducteurs était en Europe. Donc on part vraiment de loin. Et c'est pour ça que je m'interroge sur votre chiffre de 7 milliards d'euros d'investissement en 5 ans, car le budget R&D en 2023 de NVIDIA, c'est 7,4 milliards d'euros. Et donc comment on fait pour créer une nouvelle filière comme elle est quasi inexistante, alors que NVIDIA investit 7 milliards d'euros en R&D, alors qu'eux, ils ont les installations, les talents, le savoir-faire, l'expérience. Et donc, moi, ça me paraît assez court. Est-ce que vous n'avez pas minimisé cet investissement pour ne pas faire peur aux commissaires des finances comme moi qui sont présents ici? Et une deuxième question. Et oui, et par rapport à ça, j'étais étonné aussi que Lighton n'ait pas été interrogé dans votre... Si. Ah, ils ont été auditionnés? Ils ont été auditionnés, si, absolument. D'accord, ok. Bah, oui. Il me semblait que non. Si. Et eux, ils s'étaient intéressés au hardware, donc c'est pour ça que je trouvais ça dommage. Mais si ça a été le cas, très bien. Et une dernière question très rapide. Vous n'avez pas parlé de l'IA Act. Quel est votre avis, notamment sur son application en France? Ça me semble quand même important parce que vous parlez quand même pas mal de simplification administrative. Et moi, j'ai peur que l'IA Act, au contraire, ça contraigne un peu trop notre action. Donc, je voulais avoir votre avis. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais, à mon tour, vous interroger sur à la fois l'ambition des conclusions de votre rapport et surtout la mise en perspective concrètement de ces objectifs. Vous avez à la fois émis un certain nombre de propositions, celle notamment de pouvoir créer un budget dédié à la recherche IA, et puis mis en perspective à la fois ce partenariat public-privé indispensable au vu de l'écosystème de l'IA, et également de l'enjeu de souveraineté et donc à la fois de pouvoir se poser la question de la ressource énergétique, évidemment de matières premières également, sur les semi-conducteurs, sur toute la partie industrielle également de l'IA. Est-ce que dans votre rapport, au vu de ces deux thématiques, vous avez esquissé un pilotage, c'est-à-dire dans la pratique? Parce que comme bien souvent, et comme je le constate malheureusement souvent dans les rapports, il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de choses qu'on met en perspective. Puis après, on est un peu rappelé, si je puis dire, par la réalité politique. Et vous avez parfois des injonctions contradictoires entre certains services qui font qu'au final, les objectifs ne sont absolument pas atteints. Je crois que si je pose cette question, c'est parce que je pense qu'on ne peut vraiment pas passer à côté de ce sujet pour notre pays, en termes de, vous l'avez mis en perspective, pour la stratégie de souveraineté
questionne aussi quelque part notre avenir en termes de souveraineté intellectuelle, en termes de souveraineté de recherche et industrielle et donc économique. Je pense que cette perspective aussi de programmation doit, à mon sens, être au cœur des réflexions pour qu'on puisse véritablement atteindre ces objectifs ambitieux que vous nous donnez. Merci à vous. Oui, donc face à ces questions très faciles, je vais essayer de répondre à quelques-unes. Je vais commencer par les risques. Vous avez raison et vous avez été plusieurs à les souligner, même si le ton, le rapport est d'un optimisme raisonné, il y a des risques. On les regarde, on les prend en compte. On pense que c'est important de les regarder, de les étudier et de regarder comment y faire face. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions, mais par exemple, le sujet des deepfakes, il y a à la fois une approche qui peut être une approche technologique ou juridique. Il y a des technologies comme le watermarking, dire qu'une vidéo a été générée par de l'intelligence artificielle et le faire de manière publique, c'est important. Néanmoins, bien sûr, condamner les usages qui ne sont pas des bons usages dans le cadre des élections ou des fraudes dans les entreprises. Il y a beaucoup d'usages potentiels. Bien sûr, il faut faire ça. On pense également qu'il faut favoriser la familiarité des gens avec ce type de fraude et ce type de risque. Et que c'est pour ça qu'on propose, dès la maternelle, de faire une formation à, je ne sais pas, est-ce que cette image du pape dans une doudoune de luxe blanche, est-ce que c'est une vraie image du pape ou est-ce que c'est un faux, est-ce que la photo de Kate Middleton, c'est grave d'avoir un petit peu retouché une photo de famille ou pas. Ça, c'est des discussions qu'on peut avoir très tôt et qu'il faut qu'on développe dans toute la société, très tôt et également chez tous les citoyens de tous les âges. Et ça, ça fait partie des choses qu'on recommande de faire dans les cafés IA, dans des lieux de débat au plus proche des gens de tous les âges pour pouvoir aborder ces sujets-là. Peut-être un dernier mot sur les risques. Je pense aussi qu'il faut qu'on se dote en France de lieux pour réfléchir à ces risques, pour faire de la recherche et puis pour participer au débat public et à la formation. Et je voulais mentionner une initiative de l'ENS et de Dauphine qui est la création d'un institut IA et société qui a été créé en décembre dernier. Et l'idée, c'est de faire de la recherche qualitative solide sur ces sujets-là de manière indépendante. Donc ce n'est pas un institut financé par un des grands acteurs de la tech américaine ou autre. Et de ne pas rester au stade de la recherche, mais vraiment d'apporter ces connaissances-là au débat public, au pouvoir public, aux entreprises, aux citoyens, pour pouvoir avoir une parole rationnelle sur tous ces sujets-là. Donc c'est peut-être ce que je dirais, je pourrais en dire beaucoup plus, mais sur la partie risque. Sur la partie AI Act, il a été voté, nous considérons que nous le prenons en tant que tel. Ce qui nous paraît important, c'est de réfléchir à la mise en œuvre et à ce que sa mise en œuvre se fasse de la manière la plus pertinente et la plus simple possible, sans ajouter des lourdeurs administratives. Et c'est difficile, bien sûr, parce qu'il faut une certaine compréhension un peu technique de l'intelligence artificielle pour le faire au mieux, mais ça nous paraît important d'engager des discussions en se rendant bien compte qu'il y a des intérêts des deux côtés, mais d'engager des discussions avec des chercheurs et avec des représentants d'entreprises pour voir comment mettre en œuvre cette régulation de la manière la plus pertinente possible. C'est aussi pour ça qu'il faut de la recherche publique indépendante et de qualité et que tout le monde ne parte pas dans le privé pour pouvoir aider les régulateurs à faire ça. Sur les aspects financiers et emploi, Philippe répondra bien mieux que moi. Sur la partie impact environnemental, on a regretté de ne pas pouvoir la traiter mieux. Parce que bien sûr c'est un sujet majeur, c'est un sujet sur lequel il y a à la fois un côté, il y a un impact environnemental de la puissance de calcul, des volumes de données, de l'utilisation, du développement et de l'utilisation de l'intelligence artificielle en termes de consommation énergétique, de consommation d'eau, de terres rares et d'impact carbone, et où il y a aussi la capacité d'utiliser ces modèles-là
pour optimiser la consommation énergétique, la consommation d'eau, les intrants en agriculture. Donc il y a les deux faces de ce sujet, comme souvent. C'est difficile de regarder la première partie parce qu'en fait, on a très peu de données, d'où notre recommandation sur le fait d'avoir de la transparence sur les impacts environnementaux. Aujourd'hui, ce qui est mis en avant par les entreprises, c'est l'efficacité, c'est la rapidité, ce sont des critères technologiques et techniques d'utilisation des modèles d'IA. Nous pensons qu'il faut également rendre visible, et puis bien sûr il y a le prix aussi, mais donc pour une entreprise ou une collectivité, pour pouvoir choisir d'utiliser un système d'IA, on pense qu'il faut qu'il y ait ces critères-là et qu'il y ait aussi des critères d'impact environnemental. Et aujourd'hui, ça n'existe pas et nous regrettons que ça ne soit pas dans les AI Act notamment, et c'est une des recommandations du rapport. Et après, il faut aussi inciter la recherche et le développement de solutions plus frugales, moins consommatrices d'énergie. Et pour cela, les grands modèles de langue dont le but est de pouvoir faire le plus de choses possible, quels que soient les champs d'application, ont une limite structurelle. Et donc, pouvoir réfléchir à des modèles plus verticaux, plus spécifiques, qui correspondront plus d'ailleurs à des capacités de leadership de l'industrie ou d'acteurs français dans certains domaines, c'est aussi quelque chose qui nous paraît important. Et peut-être le dernier point sur le pilotage, je pense que c'est une question extrêmement importante qu'on n'a peut-être pas suffisamment prise en compte dans le cadre de la commission. On s'est dit, on nous demande des recommandations, on va faire des recommandations. Et j'aimerais bien vous retourner la question de comment est-ce qu'on peut faire pour aider le gouvernement, le Parlement, le Sénat à piloter cela? Est-ce qu'il faut qu'on demande à avoir en tant que commission tous les 6 mois une revue de ce qui se passe? Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire? Votre expérience là-dessus, je pense, nous serait précieuse. C'était vraiment très juste ce qu'a dit Anne. Donc intelligence machine, intelligence humaine, bon, l'idée, ce qu'on veut au maximum, c'est que ça nous serve d'outil, c'est-à-dire que voilà, que ça permette d'économiser du temps sur les tâches rébarbatives pour donner davantage de temps aux tâches créatives. Et c'est ça qu'on veut. Alors il y a des emplois qui, évidemment, la plupart des tâches vont être rendues, et là, il va falloir former et recycler. C'est pour ça qu'il faut un marché du travail très bien organisé. Vous parliez du Danemark tout à l'heure, moi c'est un peu mon modèle personnellement, parce qu'on sait qu'au Danemark, le système marche très très bien. Ils ont un super pôle emploi avec des gens qui forment vraiment, parce que les gens des assurances chômage généreuses, mais formation, puis ensuite on te propose des emplois, si tu refuses, voilà, ils ont un système de flexibilité. Je pense que nous, on va devoir améliorer notre système de notre organisation du marché du travail, peut-être en s'inspirant du modèle danois, ou je ne sais pas, formation, flexi-sécurité. Nous, on parle en tout cas beaucoup dans le rapport du dialogue social aussi, on pense que l'IA peut être un outil, peut favoriser, aider le dialogue social. Je pense qu'on a un gros problème en France, c'est que le dialogue social n'est pas aussi bon qu'il l'est en Allemagne ou qu'il l'est dans d'autres pays. Et je pense que là, il y a un manque à gagner. Je pense que l'IA, on pense que l'IA peut jouer un rôle. À la fois, il faut que les acteurs soient informés de l'IA, et l'IA peut permettre d'économiser, peut aider les partenaires sociaux à être informés, à pouvoir vraiment jouer leur rôle de partenaires sociaux et co-gérer dans l'entreprise. On pense que ça, c'est quelque chose de très important. Sur l'éducation, bon, on est d'accord, il y a vraiment une réforme à faire. Alors là, moi, j'ai une double casquette. Là, je ne parle pas en tant que... Normalement, je suis dans le comité scientifique du ministère de l'Éducation, mais je n'ai pas pu y aller beaucoup parce qu'on était concentrés sur ce rapport. Et on essaye... on essaye d'améliorer, de faire en France ce que les Portugais ont réussi à faire. Les tests PISA ont grimpé au Portugal. Nuno Crato a été une figure très importante. Il fait partie du comité scientifique ici, maintenant, du ministère d'Éducation. Voilà, il y a des choses que nous pouvons faire, qu'il faut faire. Et effectivement, l'IA, c'est sûr que les maths, par exemple, c'est très important d'avoir un minimum de culture, et même des maths concrètes, quoi. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. La méthode Singapour, on parle de beaucoup de choses pour rendre les maths concrètes. Et l'IA et les maths concrètes, quoi. Je crois que ça, c'est l'effort qui est fait dans ce domaine. L'IA ne fait que renforcer la nécessité d'aller dans cette direction. Sur le climat, Anne a déjà expliqué, c'est vrai que d'un côté, il y a ceux qui disent que l'IA peut être une solution, enfin aider à la solution de problèmes environnementaux, optimisation de la gestion d'eau, d'électricité, d'intrants, et ça permet aussi peut-être plus facilement aux entreprises, c'est que pour passer à l'innovation verte,
il va falloir mettre au rebut, pour passer de la production polluante à la production à l'innovation verte, il faut mettre au rebut des biens capitaux, il y a un coût. Et en général, les entreprises qui ont beaucoup innové dans les technologies polluantes dans le passé tendent à continuer d'innover dans les technologies polluantes dans le futur. Il y a ce qu'on appelle une dépendance au sentier. Nous pensons que l'IA peut aussi permettre de réduire ce coût de transition. Voilà. Et donc, il y a une réflexion qui doit être menée là-dessus. Moi, j'ai tout un autre côté de ma recherche qui est sur l'innovation verte. Mais nous pensons qu'il y a ce qu'on appelle cette dépendance au sentier, que l'IA peut aider à réduire ce coût, cette inertie des entreprises qui ont innové dans les technologies polluantes et qui ont du mal à passer à l'innovation verte. Voilà. Donc ça, c'est donc évidemment par ailleurs l'IA, c'est évident que ça consomme et que donc il y a des deux côtés de l'IA. Mais là, à nouveau, l'innovation sert. Je crois beaucoup dans l'innovation qui réduit les coûts énergétiques de l'IA. Voilà. Donc il y a tout un débat en soi sur l'IA. Et c'est vrai qu'on a consacré quelques pages parce que je pense que ça mérite un rapport en soi, IA et environnement. Moi, je m'intéresse donc aux deux beaucoup. Et donc, je serais ravi d'interagir avec ceux qui sont en charge de ce rapport, parce que je travaille beaucoup sur l'innovation verte, donc je serais ravi. Voilà. Sur le pilotage, je voulais juste rajouter, donc Anne a très bien expliqué, on a besoin de vous, et moi je pense qu'il faut qu'il y ait des sujets en France où il y ait l'union nationale. Quoi. Je veux dire, je pense vraiment qu'il y a des sujets où on doit tous, vous voyez, en Irlande, ils ont un système, il y a beaucoup de choses que je critique sur l'Irlande, mais ils avaient mis en place une commission croissance à une époque, et il y avait alternance, vous voyez, mais qu'il y ait un parti de conservateurs, un parti social-démocrate au pouvoir, cette commission continuait, quoi. Et donc, on savait qu'on avait un objectif. Moi, je pense que l'IA, ça doit faire partie de ça. Ça doit être, quelle que soit votre appartenance politique, c'est évident, vous parlez de risque, mais le grand risque, c'est de passer à côté, quoi. Il faut surtout pas que, alors qu'on est tellement bon. Donc ça, on veut tous que la France soit grande. Et je pense que l'IA doit être un sujet d'union nationale. Donc le président s'en empare, le Sénat, l'Assemblée nationale, et les partis dans leur ensemble se mettent comment on peut ensemble, quel que soit, il y aura des changements politiques, il y aura des alternances, il y aura des, mais que sur l'IA, eh bien, on a un objectif commun, on a les moyens d'être très bons en France. On est très bons. Des Yann Lequin, il y a Yann Lequin, mais il y en a d'autres des Yann Lequin. On est très bons et on peut vraiment faire une grande différence et il faut qu'on s'affirme. Et par-delà les alternances politiques ou les divergences. Il y a des sujets sur lesquels, ça ne peut pas être uniquement sur les sujets militaires, ce qui est très important, mais c'est aussi important pour moi que le militaire, lui, au moins aussi important. Et on doit pouvoir se réunir et faire une union nationale là-dessus. Je crois que c'est vraiment un sujet, parce qu'il faut prendre conscience que si on passe à côté, c'est notre influence sur le plan international qui va baisser. On va devenir moins influent. Et ça serait dommage, alors qu'on est tellement bon. Je voulais vraiment un petit peu... Je crois que ça serait très beau que sur ce sujet-là, par-delà nos divergences, on se dise, ben voilà, on fait ça ensemble, quoi. Et on veut ensemble arriver, et on a les moyens de le faire, quoi. Voilà, je voulais juste... repartir avec un peu d'optimisme de cette audition, parce que je peux vous assurer que toutes les sensibilités politiques du Sénat travaillent à l'intelligence artificielle, que ce soit à l'OPEXT ou à la délégation à la prospective, et aussi à la délégation collectivité territoriale. Donc c'est vraiment un sujet qui embrase toutes les composantes politiques de notre hémicycle. Et peut-être parce que vous nous avez tendu une perche, vous, oui. Comment est-ce que vous feriez pour faire de l'évaluation? Alors nous, dans notre rôle de législateur, en fait, effectivement, on vote la loi, mais après, chaque rapporteur ou même au niveau plus général, on va faire un contrôle déjà de l'application. Est-ce que les décrets, les arrêtés ont été pris dans les délais fixés? Et ensuite, est-ce que ça fonctionne ou pas? Donc effectivement, certainement que vous devez un peu vous auto-saisir de voir les suites qui vont être données à votre rapport dans 6 mois, dans 1 an. Et après, peut-être, faire de la contre-pub si vous estimez que ce que vous avez porté n'est pas entendu. Au moins, demandez qu'on vous explique pourquoi, alors qu'on vous a institué en tant que commission, il y a eu beaucoup d'échos sur la remise de votre rapport. Pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien derrière? Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on agit. Et c'est notre mission, en fait, aussi. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous.